زيارتنا هذه ايضا في اطار الهجمات والقصف الذي تعرضت له مدينة رفح على الجانب الفلسطيني بالامس، وذلك ايضا على خلفية الحوارات التي يتم فتحها لوقف اطلاق النار لاسباب انسانية في المنطقة. Nous avons conscience du caractère historique de notre venue, puisque c'est la première délégation de parlementaires étrangers qui va se rendre à Rafah depuis le 7 octobre. Et outre l'exigence du cessez-le-feu, nous avons tenu à rencontrer des agents de l'UNRWA pour leur apporter notre soutien. Ce serait une catastrophe si l'UNRWA ne pouvait plus assurer son travail humanitaire. Et nous allons rencontrer aussi le Croissant Rouge palestinien égyptien, qui évidemment fait un travail remarquable d'un point de vue sanitaire et humanitaire à Rafah et à El Arish.